Dans cette mosquée de Boïkon, la Fondation Malerosu lançait à la veille des législatives sa campagne de sensibilisation pour la paix au Bénin. Aujourd'hui, une délégation de la Fondation s'y retourne, rend gloire à Allah pour les membres de cette organisation. Dieu a exaucé leur prière. À l'entame des élections, nous sommes arrivés ici demander la prière. Il est de bon ton, après les élections, qu'on remercie le Seigneur. Nous remercions le Seigneur d'avoir permis à cette élection de passer dans les meilleures conditions. Et nous demandons au peuple bénois, le peuple qui est attaché à la paix, le peuple bénois qui est attaché à sa démocratie, de rester dans la paix, de travailler dans la convivialité, de travailler pour le développement. Les élections sont terminées, il s'agit des questions de développement maintenant. C'est ici que les prières ont commencé et que nous sommes à la fin des prières et que tout s'est bien passé. On va juste remercier Dieu, que Dieu accepte nos prières et que Allah subhanahu wa ta'ala amène la paix dans notre pays. Que tout ce qui va amener de l'embouteillage ou bien de l'embrouillement, du désordre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'éloigne. C'est pour cela qu'on a fait ces prières, qu'Allah accepte. Deux phases du processus électoral achevées, sans effusion du sang, cela réjouit à ces fidèles musulmans qui ont prié nuit et jour pour que la paix soit. Le président de la fondation exprime sa gratitude. Ce qui ne remercie pas l'homme ne peut pas remercier Dieu. Vous avez prié. Personne ne nous a demandé de prier. Ni le gouvernement, personne, c'est nous-mêmes. Mais ce que vous avez fait, seul Dieu peut vous récompenser. Et je vous demande, nous allons prier pour nous-mêmes. Que Dieu nous protège, qu'Allah nous protège. Protège tous nos enfants, tous nos parents. Et que Dieu vous protège. Nous rendons grâce à Allah qui nous a permis de faire les élections en paix et dans la quiétude. Et nous remercions la population musulmane, alhamdoulilah, zakoulihal. Et nous remercions le chef de l'État qui a permis quand même que tout se passe dans la quiétude. Et nous remercions toute la communauté musulmane, en l'occurrence, qui s'est manifestée et dans la paix. L'élection des députés est terminée. Mais pour la Fondation, il faut toujours prier afin que la période post-électorale soit aussi apaisée.